amis, on est jeudi, 8h du matin à peu près, peut-être un peu moins, je sais plus trop. Et aujourd'hui c'est ratcheting, on chasse devant soi Picasso, lièvre, et faisan sûrement, parce qu'ici les faisans c'est comme les pigeons de ville en France. On en voit, mais alors partout, 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 dans tous les champs, s'il n'y a pas un faisan, c'est qu'on l'a pas vu, quoi. Voilà, donc. C'est parti, on a les jambes qui tirent un peu parce que hier on n'a pas lésiné au Graus. Et puis voilà, hein, qu'est-ce qu'il en pense Ben, genre, c'était super les grosses déjà. On a un peu mal aux jambes, comme dit Philippe. Après, je suis impatient d'être encore aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas déçus. C'est génial. Après, ben, la suite en image, je pense. Voilà, bon, c'est le matin, faut pas trop lui en demander. Ouais. Bon, allez, à toutes! Hop. Peu dangereux. Des fois, ces petits chiens. Ils sont énergiques. Ça sent bon là. Il y a une bécasse qui est partie là. Une bécasse qui est partie à ta droite. Ah, je tente à travers les arbres, mais pas facile. Bon alors, Vivien,
Qu'est-ce que tu fous là? Il y en avait deux, non? Ouais, deux, il y en avait. Shit. Merde. Touché au premier coup. Touché au premier coup. Oh, oui, le... oh, bécasse! Putain, il y en a, hein. À toi en bas! Non. Ah, c'est dommage que le guide était là. Yeah. This one was good, but. Oh, we caught! Yep, he's down. You see that? Elle a pris en tout cas, ouais. Je pense qu'on a vraiment du gros plomb par contre. Hein. À toi en bas! This one was good, but. Yep, he's down. You're sure he's here? Oh, big guy! Ah, ils sont en bas. On peut pas tirer en bas comme ça. Pause. Ah. Putain, mais c'est pas vrai, je tire quoi? Putain, sans déconner, je suis un mauvais jour. Quoi. Okay, we'll stop here for 2 minutes till they come up. We'll have a rest. Okay. Mais ça, c'est plus mes coups.
seen a feather also here, and it's just a few, 1 meter in front of you. Oh. You wouldn't believe this, just lying there motionless, not a bit of scent to drink. Deed. Milo. À vous! À toi! Jean-Louis, tu tricotes là! Il était beau à faire, hein? Tiens, derrière. On voit encore. Ça, par contre, ça aurait été vraiment génial avec la chienne à l'arrêt là-dedans. À gauche, trop tard. C'est ennuyeux ça. J'ai pas fait gaffe, moi je suis en train de filmer donc...
Voilà. Sur le chemin. Vas-y. Bravo. Non. Encore. Là, ça, c'est un faisan qui arrive là. Touché, hein. Ouais, ouais. Il tombe. Bécassine ! Bécassine ! Tu vas en milieu ? Un plus loin, et encore un autre plus loin, on avance comme ça. Ah ouais, j'ai compris, hein. Voilà. Ah, un lièvre ! Regardez devant. The hair. T'as un faisan qui court là, hein. Il est énervé, tu. Yeah. Le bordel s'est foutu. Oh, enculé, regarde la bourre. Regarde un obscur, Vivien. Si t'as, si t'as jamais vu. Viens, viens, viens. Ah, oh, tu l'as eu, Vivien. Tu l'as eu, je crois. You've got it. Yeah, I think so. Il est là, il est mort, ton lièvre. Hein. Il est là, hein. Je l'ai. Hein. The hair is here. I see it. Il est mort. Yeah, he's dead. Bien joué, bien. Ouais, là c'était. Ah, il est beau aussi, hein. Allez, viens. Nice. Thank you.
Putain, il y a un lièvre aussi qui vient de se barrer. Deux hares. Look the ducks. Viens, viens, viens. Allez, Bécassine. Et un lièvre derrière. Et un lièvre. Putain, Bécassine, elle m'a fait des gauches-droites, là. Ouais, t'as vu ça? Viens. Viens. Non, on est serré là, s'il se lève quelque chose mon gars, il est foutu. Viens hein. Jean-Louis. Mario, ouais, ouais. Mario, ouais, ouais. Mario. Je vais laisser prendre un peu de distance. C'est bien joué. Il rigole pas l'ancien. Bravo. Lièvre au fond. C'est woodcock? Non, partridge. Non, c'est une perdrix. Pheasant. Putain. Oh là là, ils sont énormes. Hop, il me le laisse. Ça décolle, ça décolle. Là, il est blessé, mais il est pas mort. Là, il va se carapater. Non, non, il est mort. Ah, attention. Bécasse, bécasse, bécasse. Non, si, c'est une bécasse, putain. Ah, BK, j'ai eu peur du mec en face. Allez, Jean-Louis!
Putain, c'est un truc de fou, hein. C'est beau là, Jean-Louis, ces petites têtes d'arbres. Steve, just keep me around the outside though, because the bastard will bit you there, like you as well, and I'll just put my dogs in. Get off. Il n'y a pas une. Yo, we cut! Run. Toi, j'avais dit. Come to your right! J'avais dit que c'était beau pour la bécasse là. Mardo. If you just stop 10 meters and stop, I'll put the dog off. Another one, Steve. Ah, il faut qu'on se contourne. Okay, just stop there. And we'll push it down. Another one, coming right with your head. On the end, where is Steve? En même temps. Yeah, got it. Yeah, got it. Yeah. Des chances. Black one. Ah, j'aurais attendu là, au moins il a tourné. Here. Yeah. Ah, trop de jonc. Maybe some hair here, no? Papa, le dernier, tu tires dans l'arbre, gros. Hein. Hop. Putain, c'est une pile, hein, le petit chien. Wow, ça te tue, hein, c'est vraiment beau. Je vais me faire tuer un lièvre là-dedans, là, que ce sera encore plus beau. Ah.
Bon, les amis, vous savez que j'irai chasser chez vous, c'est aussi des rencontres avec des personnages. Donc pour les locaux, c'est un peu compliqué parce que donc ils parlent anglais, mais bon, on a pu les voir à travers les différentes journées. Et puis là, c'est aussi l'occasion de vous présenter un petit peu le ressenti et puis les chasseurs avec qui on a partagé ce séjour. Donc on va voir Vivien, Jean-Louis, et puis on discutera un petit peu aussi avec Laurent qui s'est occupé du voyage depuis. Allez, Vivien, notre voilà. Bougien, le v'là. Voilà. Alors Vivien, parle-nous un peu du séjour. C'était super, franchement. Moi, je suis pas un chasseur de petits gibiers en particulier. Mais bon, ça m'a super bien plu. J'ai peut-être été pris un virus, je sais pas, du petit gibier, on verra. Peut-être que tu m'as retransmis ton virus, Philippe, mais ouais, c'était génial. Surtout la chasse au gros, c'était excellent, franchement. Original. J'ai adoré, ouais. C'était un dépaysement total. Et je pense que les chasseurs de petits gibiers, il faut aller en Écosse. Si vous avez l'occasion, allez-y, quoi, ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est ton premier voyage. Ouais. D'accord, voilà. Et tout de suite dans le Gard. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Moi, c'était génial, quoi. Franchement. Pour moi, ça m'a plu. On voit beaucoup de gibier, c'était franchement super. Voilà. Merci, Vivien. On en ressort pour un. Jean-Louis, viens par là. Ah, viens par là. Alors, Jean-Louis, je crois que tu nous viens tout droit du sud. Hein? Oui, du sud de Grasse, capitale mondiale de la parfumerie. Voilà, et puis et donc Jean-Louis nous a régalé de quelques beaux coups de fusil sur ce séjour. C'était la première fois, Jean-Louis, que tu venais en Écosse? Oui, c'est le premier séjour que je fais en Écosse, effectivement. Bon, et t'as préféré quoi dans ton séjour? Disons l'ensemble, l'organisation est pas mal. Je veux dire, on a eu la chance d'avoir beaucoup de gibiers différents. La chasse à la grouse était particulièrement spectaculaire dans le fait où il faisait un vent terrible, une pluie à coucher tout le monde par terre, mais bon, on s'est régalé, on a vu beaucoup d'oiseaux, on a pu tirer des oiseaux et ça a été une bonne journée humide. Ouais, c'est vrai qu'on s'est bien régalé. Et puis toi, tu connaissais déjà Laurent de Couret, donc qui est l'organisateur de notre voyage. Tu avais déjà eu l'occasion de voyager avec lui? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de voyager avec lui en Croatie, en Russie. Donc c'est vrai que je le connaissais de nom, mais pas physiquement. Là, on a eu la chance de le rencontrer et de passer 3 jours ensemble. Et voilà, et donc on s'est bien rigolé. On s'est bien régalé. Je te remercie, Jean-Louis. Merci, à très bientôt, au revoir. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter Laurent de Clouet. C'est comme ça que j'ai dit, Clouet? De Clouet, tout à fait. De Clouet, bravo. Ah, je dis bien. Et voilà, donc il était l'organisateur de notre voyage. Et puis, Laurent, toi, tu connais bien l'Écosse, c'est une destination que je fais régulièrement depuis maintenant une petite dizaine d'années avec mon partenaire Peter, qui est là, présent, vigilant sur l'organisation au quotidien avec ses différentes propriétés, qu'elles soient pour les grasses avec les lièvres variables, que ce soit les propriétés aussi pour tout ce qui est chasse devant soi, passer aux oies, passer aux canards et au milieu. Les faisans, les bécasses, quelques bécassines aussi, et puis les lièvres qui sont magnifiquement énormes. Place pour le grand plaisir des chasseurs de petits gibiers. Sur les 3 journées, on a eu beaucoup de chance parce que seulement une seule journée dure avec pluie et vent, mais le reste du temps c'était facile, enfin facile au niveau du climat. Et donc toi, Laurent, donc tu tiens l'agence qui s'appelle LC Voyage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes destinations? Alors LC Voyage, bon, c'est cette agence qui est complètement spécialisée sur les voyages de chasse, donc depuis une dizaine d'années, avec des destinations de petits gibiers telles l'Écosse, mais aussi d'autres comme l'Irlande ou comme même l'Espagne, même le Portugal. On ne passe pas à travers l'Afrique. Avec aussi bien des destinations comme l'Afrique du Sud ou la Namibie, où là les antilopes sont reines, mais des destinations aussi plus particulières comme l'Azerbaïdjan, où là c'est un trop-plein de canards, beaucoup beaucoup de canards, hein, ceux qu'on connaît. Dans un même registre, l'Argentine aussi, avec beaucoup de canards, mais aussi d'autres gibiers tels que les petits perdreaux, les oies qu'on peut trouver aussi sur certaines régions, les lièvres. Et puis les éternels, les tourterelles, les pigeons, qu'on retrouve là-bas aussi. Voilà, donc c'est une dix-douzaine. Trouver son bonheur chez toi. Et j'espère, on y travaille, hein, toujours.
Ben, parfait. En tout cas, Laurent, merci pour cette belle destination. Tu nous as bien encadré, nous as fait rencontrer des personnes vraiment intéressantes, riches, disponibles, efficaces, qui connaissaient bien le secteur. Et puis, on a vu des chiens travailler, on a fait des beaux coups de fusil, on a vu beaucoup de gibiers différents. Et puis ben voilà quoi, toute la recette y était. En plus nous on a eu la chance de rencontrer Jean-Louis, donc avec Vivien on se connaissait, mais avec Jean-Louis on a eu un partenaire de fou rire et de chasse vraiment sympa, donc on s'est vraiment régalé. Donc j'en profite une nouvelle fois pour te remercier. Et puis peut-être à bientôt pour avec plaisir. Ouais, moi toujours lorsque les chasseurs sont contents, moi je suis content parce que l'objectif est atteint. Voilà mon tour un peu de parler de ce que j'ai préféré. Donc voyage vraiment 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 intéressant. Comme je l'ai dit sur Facebook, je pense que c'était hier ma plus belle journée de ma vie de chasse. C'était vraiment inouï, la grouse, parce que ça se mérite. Effectivement on a eu un temps horrible en termes de vent, de pluie. Je veux dire, j'ai dit au guide, I think the rain is not supposed to fall like that. Genre la pluie n'était pas supposée tomber de manière horizontale quoi. C'était vraiment impressionnant, c'était le blizzard sans la neige. Mais voilà, on s'est donné du mal, c'est hyper athlétique, c'est physique, il faut vraiment monter beaucoup, monter, descendre, sans arrêt sur les crêtes pour essayer de les coincer. Et puis au-delà de ça, donc cet oiseau qui est quand même assez mythique, qui a une façon qui fait du bruit en décollant, enfin qui chante, c'est vraiment très très atypique. Mais ouais, grave guttural, enfin c'est surprenant au début. On a vraiment l'impression qu'elle se fout de notre gueule quand elle se barre de loin. Mais très très agréable, effectivement un coup de fusil qui est pas évident, mais sauf quand on arrive à les faire voler de près. Et puis très 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 surpris de ces lièvres variables qui ont dans les landes de bruyère quoi, finalement dans des landes de bruyère qui sont très vertes et brunes, et puis d'un coup vous avez un lièvre blanc mais archi blanc comme la neige qui décolle et on les voit jamais avant. Et voilà, hyper intéressant à tirer aussi, ça se défile dans les bruyères. Et donc, comme j'en ai vu beaucoup, j'ai eu la chance d'en tirer beaucoup et j'ai passé vraiment une journée extraordinaire hier. Après, on a eu le loisir de faire des chasses un peu plus en plaine, qui ressemblent un peu à celles des Vosges quand on chasse le petit gibier, avec mais des densités de bécasses vraiment surprenantes. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, des faisans, comme s'il en pleuvait, quoi. J'ai filmé tout à l'heure. Des vingtaines de faisans ensemble dans les prés, c'est juste très très surprenant. Et puis voilà, les oies évidemment pour ce truc très traditionnel, très local, ce gibier qu'on a peu l'occasion de croiser en France, et la chasser un peu comme en mode Québec ou Écosse. Ça c'était vraiment très 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 sympa avec un guide qui a été chouette et qui les faisait bien venir. Mais on s'est fait voir un petit peu, on était peut-être un peu pas très bien dissimulé. Ça fait qu'on en a raté quelques-unes, mais on s'est quand même régalé, c'est vraiment unique. Voilà, donc encore une fois, merci à Laurent d'avoir organisé ce séjour. Je mettrai ses coordonnées à la fin du film, si ça vous intéresse, pour aller vous amuser vous aussi et découvrir des territoires vraiment complètement fous et des gibiers nombreux et diversifiés. Et voilà, et puis maintenant, il est temps pour nous de reprendre l'avion, donc je vous dis bye bye et puis à très bientôt pour une nouvelle édition de J'irai chasser chez vous. Ciao. What do you think about the French guy who came with us? Okay, he's recording now, yes? Yeah, cette personne ici, il vient ici il avec son drone, je pense, il s'appelle drone, peut-être drone français, je ne sais pas. Mais je n'avais pas vu une fois dans le ciel cette drone. J'ai seulement vu quelque chose sur la tête. Mais je voudrais voir qu'est-ce qu'il a fait, parce que pour moi, j'avais vu rien. C'est seulement il tire tous les grouses, il tire tous les oies, il tire tous les
Tous les bécasses, ils marchent 50 mètres avant tout le monde, ils tirent toutes les choses. Les autres tirent rien. Et il a un paquet avec un drone. Je voudrais voir l'évidence de quelque chose qu'il a fait. Une preuve. Ok. Ok, I will show you that. Merci, je veux le voir. Très bonne chasse, Louis. Bonne. Les grâces n'existent plus dans les Highlands. I mean, il marche bien aussi, les autres, c'est, ils sont comme les femmes. Non. Okay. Thank you very much, Peter. Thank you.